Bonjour, vous entendez ce son? Je crois qu'on est bien partout au parti pour finir, j'espère. Enfin, bon, j'ai déjà mis Euronews, c'est un peu parti tout seul, mais bon, voilà. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire du ouverture facile. Je vous montre peut-être une petite image qu'est ouverture facile. Voilà. Nous sommes le 31, donc nous allons faire nos adieux aujourd'hui à Flash. Bon, c'est la même continuité que hier, que avant-hier, que avant-avant-hier, enfin bref, tous les autres jours, on essaye de faire du speedrun plutôt. J'ai mis en place un nouveau truc pour pouvoir avoir accès plus facilement au clavier, parce que en fait, il y avait le micro avant, donc peut-être que ça ira un peu plus vite, on verra. En attendant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de notification Twitch pour dire que je suis actuellement connecté. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On va essayer de tenter de voir vite fait. Je regarde ça rapidement et après on va s'y mettre. Vous savez qu'on était bloqué face à la porte d'entrée, c'est-à-dire au niveau 44, je crois, 45. Voilà. Bon, pas grand-chose à dire autre que on était bloqué méchamment. Et que on a réussi à faire pas mal de niveaux la dernière fois et on a été bloqué sur les deux derniers. J'ai fait une petite révision juste avant pour essayer, avec un peu de chance, d'aller plus vite. Ce qui était plus compliqué la dernière fois parce que j'ai tout réexpliqué, mais je pense qu'il faudra que je réexplique encore une fois pour que tout le monde soit bien, bien d'accord. Sur la manière dont ça va se passer, la manière dont ça se passe en général, etc. Donc voilà. Je pense qu'on est bien. J'espère que il y aura du monde, on verra. Bon, est-ce que tout le monde est bon? Faut que je me motive un peu parce que c'est le dernier jour, faut qu'on y aille vite. Si c'est possible, voilà. Bon, je vous enquiquine pas plus que ça, on va partir. Ouais. Mot compte triple, mais mot de vieux. Enquiquine. Enfin. Est-ce que j'ai enlevé Flash? Oui, c'est bon. Ok, donc il y a pas mal de choses à faire, donc rappelez-vous, je vais essayer d'expliquer en même temps. Donc. C'est parti. Alors, premier niveau, faut se gratter la tête. Faut enlever au moins deux. Deuxième niveau, faut aller au niveau 3. Regardons. Ah oui, mais si je le fais pas avec le live speed. J'avais oublié qu'on faisait un faux speedrun. Excusez-moi. Hop. D'ailleurs, hop. Niveau 2, niveau 3. Là, il fallait trouver le miroir et donc le mettre à l'envers et aller au niveau 4. Mais. Et j'appuie sur entrée. Ça, c'était Ship. Parce que c'est la cinquième track de l'album Pigs de Pink Floyd. Voilà. Ça, fallait retrouver les informations dans les images pour pouvoir avoir accès à Petit et Escargot. Est-ce que je suis bien là? Niveau 6, indeed. Ça, c'était Volaille après avoir fait un peu de cryptographie. Bon, c'était quelque chose qui était un peu... Je pourrais pas le réexpliquer, faudrait regarder les autres. Cette fois-ci sur HTML, HTM plutôt que HTML. Hop. Ça c'était téléphone, fallait récupérer le son, modifier le son. Voilà. Je suis toujours bon. Là, fallait taper le lapin. Parce que fallait regarder le nombre de personnes et le nombre de touches sur un téléphone. Autant pour moi, fallait corriger. Ok. Niveau 10, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Oh. Ça, fallait faire les liaisons avec les couleurs pour pouvoir trouver. C'était un mélange de couleurs. Quoi.
Là, c'était page 2A qui nous donnait accès à le post-it et qui était télévision.htm, je crois. De mémoire. Oui, c'est ça. On est niveau 12. Il faut allumer la télé et on voit le petit mot qui est écrit. C'est ans.htm, donc hop. Ça, il fallait regarder un peu le qui avait créé Hans, et donc du coup Antoine Granger qui a fait aussi Ouverture Facile, et on retrouve Bidou aux effets spéciaux. Celui-ci, c'était Lapin, parce que c'était un rappel de la... D'une, c'était une réponse. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'était une réponse. On a grandi, le lapin, parce qu'il est en petit, et du coup l'histoire c'est qu'il nous faut grand. On trouve la patte du lapin, on trouve papier. Là on est bon, au niveau 16. Ça c'était particule, il faut pas, faut que je fasse attention. Ça c'était une sorte de petit puzzle qu'il fallait remplir. Particule, particulier. Particule tout court, avec un S d'ailleurs. Pour pouvoir... Ah, c'est particule sans S je pense. Et du coup, il fallait remplir et trouver les X. Ah oui, cette page n'existait pas. Réfléchissez avant de taper n'importe quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est... En fait, c'était là. C'était particule. Voilà. Et là, fallait faire attention. C'était pas une page d'erreur. Ah non, c'est bon. J'ai rien dit. C'est moi qui ai fait une erreur, en fait. J'ai mal écrit. Évidente. Donc, la réponse est évidente, c'est évidente. Il n'y avait pas de complexité. Fallait trouver toutes les autres pages, là, pour pouvoir arriver à relier tout et faire... Et trouver pays, on est au 19, Gabon, parce qu'il fallait trouver les couleurs, c'est des codes couleurs, c'était un drapeau. Là c'était un peu plus compliqué, il fallait prendre en courbe plus forme .jpg pour pouvoir les compléter ensemble, enlever l'opacité et avoir accès à quelque chose qui est machine, avec un S je crois. Non, pas machine, machine sans S peut-être. On est au 21, alors attendez, je passe, voilà, 21. Ensuite, fallait regarder la tête en bas, c'est la celle qui était un peu problématique tout court, il n'y avait même pas un peu. Donc c'est normal, et cette fois-ci, on revient à HTML. Celui-ci, il faut chercher un peu, mais du coup, chapeau.htm. Donc là, cette fois-ci, on enlève le L, et on écrit chapeau. Il y a des indices, vous allez voir quand on sera à la dernière. Ou peut-être que si. Et là, cette page n'existe pas, et en fait elle existe, parce que c'était la suite. Il fallait juste faire attention, apprendre de ses erreurs. Donc là je suis bien au 23, merci d'avancer, merci. Voilà. Donc là il fallait prendre l'image, la zoomer dedans. Il y a des pixels rouges qui nous donnent le reste de ces courses, donc c'était pattes. Ça c'était du binaire, donc une baguette c'est 1 et un hamburger c'est 0, et ça faisait chat. Alors là il y avait plusieurs trucs à faire, c'était une des compliquées. Je vous épargne le côté un peu qui fait mal aux yeux, qui est d'être dans la backroom et d'aller chercher le serveur dans le code, corriger le code, etc. Source de la page. Donc on arrive après à décibel qui est écrit dans son dos. Là, il faut que j'y aille pour aller corriger. Donc là, par exemple, je n'ai pas Windows. Donc je pars sur le fait que je n'ai pas Windows. Je vais aller dans le code source de la page. Je vais vous expliquer du coup. On est bien au niveau 26, c'est bon. Et je cherche dans la page. Et en fait, il y a dans Aide, il y a un commentaire qui nous permet d'avoir le nom du logiciel qu'on va utiliser pour pouvoir normalement décrypter, sauf que je ne vais pas le faire maintenant, et le mot de passe qui se retrouve dans l'image qu'on a vu tout à l'heure de Winamp. Si on augmente l'opacité, on arrive avec MP3 comme réponse. Ça, il fallait transformer l'URL hexadécimal binaire clé XOR, donc ça c'est de la stéganographie, avec la clé JPG qu'on trouve en tapant clé JPG, et on repart sur
URL hexadécimal, etc. Et là, c'est une clé PNG avec le mot, avec la manière de transcrire la réponse. La réponse était malade, c'était compliqué, mais on l'a fait. Bon, on l'a fait à moitié, mais on l'a fait. 28. Alors, du coup, là, on est à a.text, 1000 zip, Emily. .jpg, on remarque que c'est une image qui est corrompue et qu'on grâce au A et au 1000, on peut les recombiner en hexadécimal en remplaçant les zéros. Voilà, et on trouve Kitty à la fin. C'était un peu difficile de le montrer sur Twitch, mais c'était ça. Chaville, parce qu'on a un peu googlé tout simplement le voilà. Le numéro de département. Et ensuite, il faut trouver le bouton qui est sur Dark Vador. Darth Vador. Je sais même pas comment on dit. Ouais, c'est Dark. Voilà, donc ça, il fallait trouver les prénoms de toutes ces personnes qui sont couronnées et non couronnées. Et avec les chiffres qu'il y a au dos de la carte, on trouve Décadence, que je vais écrire bien un moment. Voilà, merci. Niveau 31, c'était du Morse. Il est en train de parler en morse et il dit magie. Il fallait juste avoir de l'oreille. Là, il fallait chercher les points de géolocalisation qui étaient la statue de la liberté. Et du coup, on a regardé un peu qui avait fait la statue de la liberté. Il y a Eiffel, mais il y a aussi Bartholdi. Ça, c'était la tête de Jésus, sont les historiens. The real tête. Niveau 34, et là on doit fallait recréer le chemin de tous les pigeons qui sont sur le côté pour pouvoir voir écrit la ville où le dernier pigeon s'est perdu, et c'était Béziers avec un S, parce que Béziers s'écrit avec un S. Voilà, là fallait aller regarder dans le forum, comme on peut le voir, de ouverture facile, pour pouvoir trouver à la fin des lettres qui sont cachées par la sélection. Et qui du coup nous donnait accès à justement comment ça s'appelle, qui nous donnait accès à des lettres une à une, qui nous permettait d'avoir comment ça s'appelle, qui nous permettait d'avoir les réponses. Ça a pris du temps, mais c'était arbre. Excusez-moi, ça me fait rire parce que j'ai pris 15 ans dessus. Voilà. Celle-ci, c'était un best-of de toutes les autres, donc il fallait se rappeler de comment on avait répondu aux autres. Donc 97, c'était le nombre de lettres, voilà. Enfin, le nombre de lettres. Une lettre parmi l'alphabet, etc. Parce qu'il y en a une qui est donnée et les autres non. Et du coup, on se retrouve avec, à la fin, alpiniste. Je suis bien au niveau 36, parce qu'en fait, là, à partir de maintenant, on va essayer de corriger le problème du niveau 38 après. Parce que le niveau 38 est un faux niveau. Ensuite, il y a le 23-22 psaume, dernier mot de Saint-Luc dans la Bible, qui était verge. Donc, selon moi, il y a un zizi, j'imagine, plusieurs zizi. Mais... Niveau 38, et là, on a un niveau 38 qui est plutôt long. Donc, papillon, Swan en avait marre que les gens se plaignent. Donc là, il faut que j'aille dans le code source, 2 minutes. Si, je me rappelle, c'est fleur. Dans le code source, on voit la réponse en commentaire, c'est fleur. Ensuite, la réponse n'est sans doute pas difficile, c'est facile. Il suffit d'aller au prochain niveau, 42. Appuyer sur OK, et là on se retrouve face au mur. Et là, on se retrouve dans le vrai niveau 38. Le vrai niveau 38, c'est en fait, on prend toutes les autres qui sont passées là juste avant pour pouvoir arriver avec marqué la réponse est épaule. Donc ça, on l'avait fait aussi. Faut juste surimprimer les choses. Et on arrive au niveau 39. Donc A, c'est le zoo d'Amien. B, c'est la tombe de Jules Verne. Il faut aller de la tombe de Jules Verne qui est à Amiens. Donc c'est une fois à droite, je crois, et trois fois à gauche, de mémoire. 1, 2, 3. Et là, normalement, on est bon. Ok. Niveau 40, c'était la musique, c'est It's a Small World au ralenti. Il y a marqué Es un pequeño ici, et on voit que c'est la forme de la tête de Mickey, donc on se doute que c'est un peu un rapport à Disney. Et du coup, c'est Es un pequeño mundo, parce que c'est un petit monde.
tout simplement. Niveau 41, donc là il fallait chercher par rapport au, à la carte du métro parisien les numéros de ligne pour pouvoir les calculer par rapport aux endroits qui sont écrits quand on appuie sur le sur là où le petit lapin se fait claquer la main. On se retrouve avec du coup Oberkampf, Trocadéro, etc. On calcule tout ça et on arrive avec je vais pas réouvrir Photoshop, hein. Je vais mettre nouveau, c'est ça normalement, parce que quand même, faut que je me rappelle, ça on l'a fait la dernière fois, c'est-à-dire hier, c'est argent, fallait juste regarder le schéma du langage des signes, donc ça c'est par lettre, argent, ça c'était compliqué aussi, purée. Je suis resté longtemps dessus, mais l'idée c'est qu'au niveau 43, grosso modo, on avait, y avait des erreurs et qu'on est allé chercher la solution parce que c'était compliqué, fou. Y a des points, il y a des numéros, ces points et ces numéros, en fait, tu peux relier les points avec les numéros, et du coup, on fait une ligne entre tous les points, et on se retrouve avec chat comme réponse, et c'est là où nous sommes bloqués. Donc, je rappelle l'indice. Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de la clé. Donc, je pense qu'on va être... c'est en lien avec le site directement de Ouverture Facile. On va essayer de checker justement le site. J'avais essayé plein de choses. Sur le bouton de porte, en cliquant, je ne trouve pas mes clés. Cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée. Donc, il y a un problème d'éclairage. Alors, quel problème d'éclairage ? Je pense que c'est une histoire j'avais pensé plutôt hier que c'était une histoire de... comment ça s'appelle ? De surligner, plutôt. Surligner, je crois que c'est ça qu'on dit, je sais plus. Voilà. Et du coup l'idée c'est que il faudrait chercher, je pense, dans le forum on avait regardé un peu ce que les réponses qu'ils disaient. Ils disaient qu'il y avait un lien, que c'était une métaphore la porte d'entrée, que la porte d'entrée elle est ici, mais c'est possible que ce soit pas la bonne porte d'entrée, voilà. Du coup il faudrait qu'on trouve l'autre porte d'entrée. Par exemple, est-ce que ici c'est considéré comme une entrée, parce que l'indice c'est que vous êtes entré par là mais sans avoir besoin de la clé, donc on est rentré déjà. Et du coup, pour moi, ça devrait être à l'entrée du site et qui est potentiellement une réponse quelque part ici. Mais par exemple, en surlignant, je ne trouve pas. Donc si c'est pas là, c'est peut-être dans le code, je vais regarder. Parce que ça, on n'avait pas vraiment fait, parce que c'était à la fin, j'étais fatigué. C'est pas très grave, hein, qu'on soit dans le rouge, parce qu'en fait on est dans le rouge par rapport au niveau, pas par rapport au temps réel, parce que j'ai corrigé le niveau 38. Voilà. Donc je regarde là dans le code, il y a la description. Donc les auteurs, c'est Antoine Granger, Olivier Poix et Aurélien Rouge. Je peux vous montrer d'ailleurs le code, comme ça, ça va être sympa pour vous. Tac. Est-ce que je peux vous montrer le code, s'il vous plaît ? Voilà. Donc là, je suis dans le code. Je vais zoomer un peu, comme ça va être plus simple pour vous. Oui, c'est vrai que si je zoome... Oui, non, c'est bon. Du coup, il y a la description, bonne chance, non, ouais, super. Donc, on va regarder un peu le code, peut-être qu'il y a la réponse. Alors, tac. Donc ça, c'est le body. Langue. Justifié, size. Alors je vous rappelle qu'on a mis Euronews Weaver Channel exprès pour se motiver et se stresser en même temps. Voilà, donc là on fait un check-up de tout pour être sûr de tout. Est-ce qu'il n'y a pas d'erreur? Non. Parce que ça peut être de ce côté-là aussi. Non. Bon. Ok, je mets ça de côté, on verra. On verra si c'est ailleurs.
Hop, ça c'est la porte d'entrée aussi, hein, on est d'accord. Donc on va vérifier toutes les portes d'entrée, comme ça au moins ça va être fait. Donc la porte d'entrée, alors déjà peut-être juste la surligner pour voir, parce que vu que c'est une histoire de surlignage. Alors là il y a de l'espace, mais c'est pas grave, c'est juste pour centrer un peu. Ok, choose, engage, ok, 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 mais c'est pas ça. Revenons à notre développement, outil de développement. Donc il y a toujours les mêmes. Beaucoup de détails toujours pour pouvoir, pouvoir réagir, soit une ouverture facile si vous voulez le contacter pour savoir s'il va y avoir une sauvegarde. D'ailleurs je vais faire un petit big up sur Twitch, hop, parce que j'ai fait des commandes exprès pour ça. Et soutenir aussi si vous voulez remettre les choses en avant, si c'est possible. Donc voilà, il y a le PayPal plus si vous voulez jouer pour la dernière fois. Enfin pour la dernière fois, je sais pas exactement comment ça va se passer la fin de Flash, on verra. Hein. Mais normalement c'est censé ne plus être dans les navigateurs à partir de ce soir je crois, hein, ou demain. Bon ça c'est encore la page d'entrée, donc on va regarder. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Regardons le code vite fait. Ouverture facile, quoique. C'est vrai, on est d'accord. Je crois que pas si facile que ça. Le script Java, je pense pas que ce soit ici. Là, il y a les liens. Voilà. Logiquement, c'est toujours là où on clique. Donc là, c'est par exemple, c'est là, c'est juste avant. Ça devrait être celui-ci. Ça a pas l'air d'être ça. Donc on va continuer. Voilà, donc ça c'était la porte d'entrée, je crois, une des premières portes d'entrée réelles, je vous montre. Moi je me rappelle de cette page-là, en premièrement. Bon, on va regarder. On regardera après ouverture à la fin, donc on regardera si on a fini, puisque je sais pas si on aura fini. Je sais pas s'il y a 94 niveaux non plus, donc on verra. Alors attention, body background color, ok. T-body, TD, ça c'était marrant de ce rangement là à l'époque, qui est toujours un peu actuel d'ailleurs, je crois qu'on range toujours pareil. Eh bien j'ai l'impression que il n'y a que le texte, il n'y a pas plus que ce qu'on cherche, j'ai l'impression. Moi j'imagine que c'est possible que ce soit à cause de mon zoom aussi, c'est possible que ce soit à cause de ça. Je sais pas exactement le zoom que j'ai pour vous montrer, c'est possible qu'il y ait un truc sur les côtés en fait. Dans le background, sur l'indice, donc on va voir aussi. Après on reviendra dessus si on est encore bloqué. Je regarde les points, non mais c'est bon en fait, tout ça ça a l'air bien. Ça a l'air bien foutu comme on dit. Voilà, donc ça c'est rappel utopique, actualité du site, ouais. Ouais, ouais. Eh bien, ça a l'air bien. Je vois pas de choses très choquantes. Et du coup, là, on va cliquer sur jouer. Et ça, c'est la porte d'entrée encore. Et là, on revient à ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'est-à-dire le test. Alors. Je remets le code, hein, parce que je suis dans le code, mais vous voyez pas pour l'instant. Hop. Language, non. Alors du coup, ça, jouer, charger, aide. Donc là, c'est PayPal. Le jeu. Ah là là, Chewie. Ah c'est marrant, c'est pas le même là. C'est pas le même hat. Eh bien je crois que c'est possible que ce soit dans le forum du coup, parce que là si on clique sur jouer, on arrive direct, ouais. Ouais, c'est ça. Ça c'est la porte d'entrée ça aussi ou quoi? Ah mais j'ai pu déplacer l'image là. Quoi? Il s'est passé quoi? Il y avait une image? Le truc a pu se déplacer? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, là c'est avec l'image, tout ça qui se déplace, d'accord. Là vous le voyez pas, mais il y a tout qui s'est soumis en surveillance.
Ici débute l'aventure. Donc là, c'est, normalement, c'est censé être la page. Donc, nouvelle lumière. Donc là, on revient à zéro, à la limite. La porte d'entrée, ça devrait être ici. C'est censé être la tête. Je regarde le code. On regarde le code. Ce serait bien de regarder le code, non? Pourquoi il veut pas le montrer, celui-là? Pourquoi tu veux pas montrer celui-ci? Bon, bah, on va changer. Voilà. DevTools. Ok. Et là, tu peux me le montrer? Ouais, merci. Du coup, j'espère que vous voyez bien. Je sais pas si vous voyez, mais voilà. Text Use in the Movie. Donc, ça, c'est encore la porte d'entrée. Logiquement, c'est le début. C'est le premier indice. C'est le premier. Ici débute l'aventure. Donc, oui, c'est ça. Je regarde les mots-clés quand même au cas où. Ta-da-da. Pourquoi là le identifier URL, il n'y a pas le. Pourquoi il n'y a pas le. Le tiret? Pourquoi il n'y a pas le tiret ici? Metaname, contente. Normalement il y a un tiret là. Non? Ça correspond à quoi ça? Mais ça c'est dans le méta. Est-ce qu'il faut que j'enlève le tiret du coup dans le... Bon attendez, on va regarder vite fait. Parce que là ça serait trop marrant. Si c'est juste l'histoire du tiret... Eh bien non. C'est sans doute l'ancien... Ça n'a pas été corrigé hein, depuis un moment. Enfin ça n'a pas été corrigé. Ça n'a pas été... Ça fait un moment qu'il est pas très actif le forum, donc du coup j'imagine que ça n'a pas été mis à jour correctement au fur et à mesure. Peut-être qu'il y a eu aussi des pertes de voilà. Bon, j'ai l'impression que ça a l'air bien, hein. Il n'y a pas grand chose. Hein. Je regarde vite fait, voilà. Peut-être la console, checker le... Dans les sources, voilà. Checker le début. Ici débute l'aventure. Voilà, donc il y a tous les accents qui sont en train de sauter. Script, carreau, texte, tête. Ça c'est le premier indice. Bon. Je sais pas, je suis bloqué. Donc ça, c'est pas la porte. Ça pourrait donc du coup être pas du tout ici, mais dans le forum du coup. On va aller checker le forum. Donc ça, ce serait logiquement la porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, je vais dézoomer un peu parce que je sais que le forum et les carreaux là, ils sont pas bien, voilà. Ça, ce serait la porte d'entrée, peut-être dans la connexion. C'est pour pouvoir parler, donc logiquement. C'était mis à jour. Hein. Il y a marqué une vision power de board 2020 en bas. Je sais pas si c'est une mise à jour automatique possible. Inscription. Peut-être chat. Checker le chat. Non. Je regarde tout en sélectionnant, hein, mais bon, je suis pas sûr que ce soit ça non plus. Revenons à ouverture facile. On va faire hop. Sélectionnons tout. Alors, pourquoi je sélectionne? Parce que là, vu qu'il y avait une énigme qui donnait justement la possibilité de pouvoir faire appel à comment s'appelle
la sélection pour pouvoir chercher, trouver une lettre, etc. C'est toujours intéressant de devoir le faire maintenant. Bien entendu, je suis pas sûr qu'on va trouver quelque chose, mais bon, j'espère qu'on va le faire quand même. Qu'on va trouver quelque chose. Parce que ça serait bien de finir. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus. On va parler pub. Hein. Compliqué. Le chat d'ouverture facile, vous, internet, culture, vox populi, graphisme, court métrage, vos suggestions, aide à propos. C'est la porte d'entrée de Swan. Du coup, c'est possible que ce soit tout simplement sur son profil. Donc on va aller checker aussi. Parce que c'est ça, l'indice en fait, c'est aussi une référence. Alors, je voulais regarder aux alentours d'ailleurs. Attends. Je voulais regarder aux alentours, il n'y a que ça qui est sélectionnable. En fait, l'indice c'est que c'est la porte de Swan, donc, du coup la porte d'entrée de Swan. Donc on a. Je suis allé chercher du côté du côté de chez Swan l'œuvre et de Proust. Et l'idée c'est que. Je me suis dit oui que ça pouvait être quelque chose qui appelait à la référence du coup. Et là par exemple je suis sur le profil de Swan. C'est possible que ce soit par là aussi. Ça c'est en privé. Lieu Grenoble. Donc, par exemple la porte d'entrée est à Grenoble, j'imagine. Ce qui est marrant, c'est que la signature de Swan, c'est le logo. Donc en fait, ça pourrait très bien être quelque chose de particulier. Là, elle est hors ligne. La dernière activité, c'était à 27.05. Ça va pas nous aider non plus à 18h. Voilà, je sais pas comment chercher pour l'instant. Là, ce qui est marrant, c'est que le site web, par exemple, il est sans l'espace. En fait, ça serait trop bien si c'était juste ça, la correction. Mais c'est pas ça. Parce que si c'est juste le tiret qu'il faut corriger, ça serait cool. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Voilà. Je continue à regarder, hein, mais je trouve pas quoi. Normalement, au bout de 30 minutes, on regarde la solution, parce que là, il faut quand même finir, mais c'est un peu dommage, mais vu que c'est un faux speedrun, c'est assez rigolo. Peut-être qu'on fera un speedrun si jamais ça reste un réel, mais l'idée, c'est quand même d'essayer de finir, je sais pas si on aura le temps. Donc ça, c'est la version simplifiée. C'est justement pour voir s'il y a des choses plus intéressantes. Du coup, la porte d'entrée qui n'est pas la porte d'entrée... Regarde les paramètres. Hop, on va regarder again le code source. Excusez-moi, je veux regarder le code source et le montrer. Est-ce que c'est possible? Et pourquoi il veut pas le mettre à jour ce truc là? Oh. Il veut pas mettre à jour direct très rapidement les captures de fenêtres notre Streamlabs. C'est un peu long là votre truc, je vais supprimer voilà. Je suis sûr qu'il y a un truc pour pouvoir faire très rapidement mais je capte pas. Ta-na-na-na-ta-ta. Voilà, c'est bon. C'est juste qu'il faut changer de truc. Okay. Learn more. Mais non. Voilà. Merci. On revient dessus. Donc là, on est sur la dernière. Donc, chat.
Donc ça c'est tout le code sorti. Y a rien d'autre, hein. Y a rien de nouveau. Hein. Y a rien de nouveau. Bon, à part le langage, oui, bon, ça c'est pas grave. Hop, chat WSWF. Est-ce qu'il faut que je tape porte tout simplement, comme ça je cherche porte. Voilà, je veux. Bon. Ok, on va taper porte. On va taper porte. Je crois que je l'avais déjà fait la dernière fois, enfin hier quoi. Voilà, cette page n'existe pas, réfléchissez. Donc je réfléchis. Cette porte d'entrée n'est pas assez éclairée. Alors du coup, moi j'ai augmenté le contraste sur mon écran. Ça change pas grand chose. Je continue à regarder attentivement. La dernière fois, j'avais aussi zoomé pour checker. Mais je crois qu'il y a un petit truc genre avec le lion, mais je suis pas sûr quoi. On va checker avec le lion encore. Par exemple, là, si j'augmente la qualité, elle est en supérieur déjà. Bon. On avait essayé de taper. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On sait jamais. Hein. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Voilà, il n'y a pas d'endroit où cliquer. Mais en fait, je pense qu'il faut juste frapper quelque part. Vous êtes entré par là, mais sans avoir besoin de clé. Je sais pas du tout... On va regarder again, aucun indice du coup. Il veut pas nous donner d'indice. Faut-il faire du traitement d'image? La texture de la porte est embêtante si c'est le cas. Non, sur la, pas sur la porte en tout cas. La porte est un symbole. C'est ma porte d'entrée quand vous venez me voir. À Grenoble. Je vais taper Grenoble. Non, toujours pas. Alors moi j'ai trouvé ton petit message caché qui me disait que je cherchais pas au bon endroit. Alors je suis allé voir à ton autre chez toi, mais j'ai rien trouvé. Enfin pas de petite phrase choc. Une petite aide en plus ça me ferait pas de mal. Tu es au bon endroit, mais la réponse n'est pas dans ce texte. Bon, il a d'autres maisons, Swan, là, s'il vous plaît, merci. Il habite à Grenoble. Hein. Et ça, c'est pas accessible, ça marche plus. Ça. Faut que je cherche la porte à Grenoble. La tête de lion à Grenoble. Il y a un truc avec un lion à Grenoble. Genre, lion, Grenoble. Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Je connais pas bien Grenoble. Fontaine du Lion et du Serpent. Apparemment, il y a une fontaine. Inspecter les alentours, la porte est à pousser n'est pas en texte. Inspecter les alentours, la porte à pousser n'est pas en texte, c'est l'indice final. Plus d'indices après ça. Plus d'indices après ça. Inspecter les alentours, la porte à pousser n'est pas en texte. Faut subir un traitement. Bon. Est-ce que j'essaye de faire quelque chose avec ça? Parce que le truc là, c'est qu'on peut pas récupérer le. Je vais regarder si on peut faire porte.jpg. Non. Chat.jpg peut-être. Est-ce que lundi ce serait pas justement le iChat1? Parce qu'il n'y avait pas de chat en fait avant. Ah bah si. Si. Comme je l'avais dit hier, il y avait une autre réponse, bien sûr, qui était l'histoire avec le bac et le décibel, compagnie, dans le dos. Ok. Fontaine du Lion et du Serpent. Ok, donc là, il y a un lion.
Ça, c'est à Grenoble, ça. J'imagine. Oui. Place de la Simèze. Ok. Donc du coup, je suis pas sûr que ce soit par là. Essaye et tu verras bien. C'est écrit dans le règlement du forum avant de poser... Oui, ça, on sait. Si la lumière fait allusion à ce que je pense, tu l'as déjà utilisé plusieurs fois dans d'autres énigmes. Donc oui, ce qu'il a utilisé plusieurs fois, c'est justement la sélection. En fait, le truc, c'est que... Je suis pas si sûr, hein. Je regarde si en déplaçant l'image ça change quelque chose. Je regarde un peu à côté. Je vois rien. Actuellement, je ne vois rien. Et sur la porte, j'ai pas l'impression de voir quelque chose de mieux. En déplaçant, juste. J'ai pas l'impression. Mais je pense pas que ce soit la bonne porte en fait, parce qu'ils en parlent aussi. Ça fait deux jours que je suis coincé, j'ai beau éclairer sur la porte, rien n'apparaît. Et je sais pas dans quelle direction elle est. On parle de maison de Swan, mais je ne vois pas du tout quel indice. Ok, allons du côté de chez Swan. Ah, du côté de chez Swan, alors il y a une chanson de Dave. On va voir le titre et on va regarder, parce que c'est possible que ce soit les deux. Alors du côté chez Swan, c'est le single de Dave, ok. Est-ce qu'on a le titre? Parce que ça m'étonnerait que ce soit ça, mais est-ce qu'on a les paroles quelque part? Non? On peut aller mourir en paix? Ok, merci. Merci, je veux les lyrics. Oh la tête de Dave. On oublie hier, et là, bon, on va pas tout lire, hein. je vais chercher porte dans le texte. Alors, voilà, je vais zoomer si vous voulez regarder le truc. On oublie hier et loin, sinon non, il arrive souvent de rêver encore. Ouais, ok, il faut te rejeunir et l'air un peu quand on apprend la saison. J'aimerais bien faire autour, ouais, revoir mon premier amour qui m'a donné rendez-vous sur le chêne en se laissant embrasser sur la chaîne. Ok. Et pourtant, ouais, on oublie, et puis un jour il sonne. Et... Ok. Je n'ai pas l'impression que ce soit Dave. Hein. Je parle pas de porte. Voilà. C'est de la répétition. Merci Dave d'avoir fait trois couplets qui sont à peu près les mêmes. Sinon, il y a aussi, bien sûr, du côté de chez Swan, il y a aussi l'écriture de notre cher Proust. Je crois qu'on peut avoir même du côté de chez Swan, on peut avoir le texte entier. Je vais regarder dans Wikipédia, Wikisource, voilà. Donc ça c'est le texte en entier, logiquement. Première partie, Combray. Bah c'est... Ah, Combray ! C'est ça, c'est peut-être Combray, hein, tout simplement. Là, ouais. Parce que je crois que Swan, il habite à Combray, dans Proust. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la porte. Du coup, la porte. Donc c'est soit à Combray, à la tête de Lyon. Combray, porte Lyon. Je sais pas. C'est possible que ça. Non. Et on avait dit Grenoble, porte Lyon, on va voir. Il y a deux portes à Lyon, à Grenoble. De Rivière-sur-Eugénia, on compte la ville sous les traits d'un lion. Ok, le serpent, l'Isère, le dragon, le drac, ok. Et le lion, du coup. C'est où le lion? Ah, c'est intéressant. Ouais. Les faits sont... Non. Technique, la sculpteur, ok. Victor Sapé, 1843, Simèze, près de Simèze, près du quai Xavier Jourvin, elle représente la ville sous les traits d'un lion, tenant dans ses griffes un serpent de bronze, agonisant et figurant l'Isère.
Il y eut cependant encore quatre crues catastrophiques. Bah, ça a l'air bien d'être Grenoble, hein, mais bon, ça nous aide pas trop. Donc là, j'ai cherché porte. On va... Il y a centres d'occlusion. Waouh. Alors, il y a le jour, et le ray de jour qui était sous sa porte a disparu. Donc voilà, là, il y a encore une liaison avec les lumières. Je pense que c'est plus simple que ça, parce que... D'ici 2 minutes, on est à 30 minutes de test sur celle-ci. Et on va regarder la solution du coup, parce que j'y arrive pas. Fus sur le bouton de la porte sur lequel s'adaptait aussitôt et surnageait invinciblement sa robe rouge ou sa figure pâle. Ouais. Ce bouton de la porte de ma chambre qui différait pour moi de tous les autres boutons de porte du monde en ce qui semblait ouvrir tout seul sans que j'ai juste besoin de le tourner. Et voilà qui servait maintenant ce corps astral à Golo. Ok. Moi je veux passer par la porte, par les lettres. Je ne trouve pas ma clé. Mais là si je clique... C'est ça en fait qui est marrant, c'est que moi je voudrais juste toquer. Toquer quelque part. Mais ce logo là il sert à quelque chose je pense, mais je sais pas à quoi. On a zoomé hier, on a regardé, on n'a pas trouvé grand chose. C'est-à-dire rien. Je continue, hein, mais... Puis on passait dans le couloir... Mais je crois pas que ce soit ça, c'est pas possible qu'on regarde tout le texte de Marcel Proust. On parle de maison de Swan, mais je ne vois pas du tout quel indice elle nous donne. Bah oui. Bah tu connais bien la maison de Swan ? Dis pas non, je sais très bien que oui. Alors mets-toi devant sa porte d'entrée et puis éclaire-la. Donc la maison de Swan... On est d'accord, hein, c'est ouverture facile. Je vois bien deux ou trois bizarreries sur la première image, puisqu'il y en aurait deux, mais avec peine, je lui fais subir tout ce que je peux. Pour le moment, c'est un succès. Il y a des bizarreries. Est-ce qu'il faut cliquer toujours quelque part ? Non, il faut juste savoir où aller. Ok. Ai-je besoin d'un logiciel de traitement d'image, sachant que vu la lenteur de mon PC, j'ai pris... Non, ça va, ça fiche. Il est toujours plus facile d'éclairer lorsqu'on a une bonne lampe sous la main. Bien entendu. J'ai bien trouvé l'éclairage où l'on m'a dit que ça n'était pas ici. J'ai repéré un truc, c'est sûr que la répétition, il manque une phrase à un de ces paragraphes. Est-ce que c'est intentionnel? Mais au-delà de ça, je ne vois pas trop dans quelle direction aller. Un petit coup de main. Bon, alors on a fait quand même pas mal de choses, hein. On a fait les tests, etc. Et on vient de dépasser les 30 minutes. Petit check-up de solution. Du coup, je vous montre, parce que comme ça, au moins, vous n'allez pas dire que je triche. Sachant que je triche. Mais bon, on essaie de finir quand même un peu, ou du moins d'aller jusqu'à 50 si c'est possible. Ah, mon Dieu. Donc nous on est au 44. Alors en cliquant sur la poignée de porte, on a fait apparaître une phrase. Cette porte d'entrée et surtout le logo d'ouverture facile en bas de la porte ainsi que l'indice sont censés vous faire... Quoi ? Non, j'y crois pas. C'était bien ce que j'avais commencé à faire en allant du côté de la porte d'entrée, quoi. Ah oui, il y a marqué, purée, je vois pas. lafrance.html, ok. Bon, on va voir si on peut trouver la suite, du coup, tout seul. Donc là, c'est un peu de côté. Indice. Quelles sont les capitales de la France? Les capitales de la France. L et F. Non, le niveau 45. Oh, excusez-moi. Voilà. Les capitales de la France. Alors, on va regarder quand même la fin de la solution. Porte d'entrée du site, autrement dit la page d'accueil. Si vous zoomez au maximum sur le point inférieur droit, vous verrez qu'il est écrit en gris foncé. C'est tout. Voilà. Qui est donc la solution de l'énigme. Alors, je sais pas si vous le voyez ici. Je vérifie juste que je vous montre bien les choses. Voilà. Si vous le voyez ici... C'est ouf que je ne l'avais pas vu avant. En fait, c'est fou, cette histoire de... Là, ouais, je sais pas si vous le voyez bien, avec la compression, tout ça, mais... Voilà, c'était ici.
Et voilà. Donc c'était bien la porte d'entrée, j'avais bien regardé, mais c'était sur l'image. Ding, ding. Bon, je dézoome, hein, excusez-moi, je suis en 500. Hop. Donc ça, c'est de la France de côté, on dirait. Quelles sont les capitales de la France? Bah, c'est, pour moi, c'est L et F, mais faut que je fasse quoi avec ça? Pourquoi j'ai l'impression que je vais jamais y arriver? Pourquoi les deux côtés? Pourquoi il n'y a pas tous les territoires d'outre-mer? Pourquoi il n'y a même pas la Corse? Bon, bah, la capitale normalement c'est le Paris, la première. La deuxième c'est Marseille, parce que en population, si tu pars sur les populations. Lyon. Après, je sais plus quelle est les autres en population. Peut-être Bordeaux, non, Bordeaux moins. Lille, Bordeaux. Bah, les capitales, normalement, c'est un F. Hein. Je vais mettre un F majuscule. Hein. Je suis désolé, je mets la capitale dans le truc là-haut. Hein. Bah, du coup, je vais mettre les deux capitales. Mais ça va rien changer, c'est dans l'URL. Je vais garder dans la source parce que. Il y a un truc qui est bizarre. Oui, il a dit normalement il y a deux capitales. Dans le mot la France. Mais bon, on va voir. Hein. Regardons la source. Alors, pas grand chose, pas grand chose. Là, il y a la majuscule. Centré, text in UV. On va peut-être changer juste la majuscule de France, là. Ça a changé quelque chose, hein. Je sais pas si c'est devenu blanc. C'est normal, en même temps, j'ai fait disparaître le. Et la L majuscule, c'est encore blanc. Il n'y a rien qu'à changer. Et pourtant, j'ai corrigé, hein. Bon, c'est pas ça. Décorrection. Voilà. Donc c'est pas ici, c'est pas le data object avec la correction des mots. Finalement, les gens qui étaient dans le forum, ils ont plus poussé à aller chercher loin, alors qu'en fait, c'était beaucoup plus simple que comme je me doutais un peu. C'est marrant que les gens ont force comme ça pour complexifier les choses. Mais normalement, c'est ça. Il faudrait que je corrige. Bon, je vais corriger ici aussi. Je vais faire voilà les capitales. Donc c'est LF. C'est la France, non? Avec un L majuscule, non? C'est devenu tout blanc. Ça n'a rien changé. On est toujours dans le même truc. Bon, je vais juste enlever je vais laisser le L minuscule, du coup. Parce que là. C'est pas, peut-être pas une correction, tout simplement, mais après. Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas pourquoi du coup. Ah! Oui, mais ça, c'est normal que je peux déplacer le truc là. Bon, on zoome hein, parce que. Je sais pas si ça a changé. Je comprends pas pourquoi c'est étiré. Peut-être que d'ailleurs, c'est le fait que ce soit. Compacté comme ça. Peut-être HTM du coup pour voir. Non. Laissons voilà.
et faisons la correction là-haut. Donc la France avec juste une majuscule, non. S'il te plaît, tu peux me respecter 3 secondes, merci. Et les doubles majuscules. Mais ça marche pas dans le... c'est pas écriture parfaite, l'URL. Par contre, je pourrais essayer de faire un truc genre ça, avec un tiret. Non. En fait, il faudrait que... les capitales de la France. Quelles sont les capitales de la France? Ben, normalement c'est LF mais ou FR. Peut-être que c'est juste FR. Et du coup faut que je fasse où? Parce que c'est ça en fait, le truc c'est où je réponds. Ah c'est fatigant hein, quand même. Bon, F, R, normalement c'est F majuscule, R minuscule, mais ça n'a pas l'air d'être ça. Où est-ce que je réponds, quoi? On va checker vite fait s'il y a des indices dans le forum. Pas d'indice. C'est fort peu ça, pas d'indice. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup des capitales. Il y en a beaucoup des capitales. Oui, la carte, bien sûr. C'est l'abréviation de France, mais il suffit de répondre à la question. Mais tu réponds où à la question? Tu réponds où à la question? C'est où l'espace? Pour y répondre à la question, je sais pas moi. Ce n'est pas un chiffre en tout cas, si telle est la question, ça veut dire quelque chose, oui. Il est possible que certains réglages de IE rendent l'énigme suivante inaccessible si vous retombez incessamment sur la 44, envoyez un MP. Ok. Merci Johan. Je n'arrive pas à accéder à l'énigme suivante et je crois que c'est à cause d'Internet Explorer, bien sûr. Je dirais qu'il est plus simple et plus sage de manière générale, c'est d'installer autre chose qu'Internet Explorer, ok. Rien n'est involontaire, mais mec, je veux bien, mais c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Regarde, je te corrige ça. Et après, c'est une erreur 404. N'est-ce pas? Donc, je vais checker quand même le code, parce que je sens que ça... Je check, fait. Ce n'est pas ça. Ça n'a pas l'air d'être ça. Je vais regarder le code d'ici. D'autre. Alors, il y a juste que quand je regarde la France, je n'en vois qu'une. À 2 si on en croit les Romains, mais ça non plus, ça n'a pas l'air d'être la bonne réponse. Si tu pars sur une bonne pige, j'ai l'impression, mais après, tu te compliques un peu trop. Il redivise un indice avec le mot pour mot. Bah, je veux bien, hein. Mais je l'écris où? Je l'écris où, ton truc, là? Parce que je veux bien, tu vois, genre, si je vais le mettre là-haut, hein. Parce que je... Je vois pas où je peux l'écrire. Je vais le remettre. Pour moi, c'est FR. J'ai mis... Voilà, FR. Mais ça change quoi?
faut que je mette à la fin fr.fr. Non. Donc du coup, c'est où? C'est où qu'on met la réponse? Parce que je veux bien, hein, mais... La logique est mentale, mais pas visuelle. D'accord, ça je veux bien, mais la carte... Ok, mais la réponse est où? Bon, alors du coup, je vais juste checker avec Firefox, parce qu'ils disent qu'il y a des problèmes de... 2 minutes, je check, vite fait. Apparemment, il y a des problèmes de d'utilisation sur Internet Explorer. Ça m'étonnerait qu'il y ait des problèmes sur Chrome, mais faut vérifier. Du coup, je vérifie. Pour les utilisateurs de Mac, Safari gère très bien la réponse, mais il n'a donc pas besoin de changer de navigateur. Okay. Du coup, je veux bien, mais... Je veux bien, mais... Je sais même pas si Firefox va être sympa avec mon flash. De toute façon, mon Firefox, je sais qu'il est jamais sympa avec ce que j'ai, avec la manière dont je l'ai bloqué. Et voilà, du coup, il avait déjà bloqué mon. Je veux bien que tu utilises activement. Là, actuellement, je veux bien que tu utilises Flash pour lui. Ça te dérange pas. Alors, les autorisations là du site, s'il vous plaît, merci. Je sais même pas où. Enfin, je sais même plus plutôt. C'est où connexion? Non, c'est pas ça. Permission, pourquoi je veux pas? Moi je veux accorder justement à ce site une préférence particulière. À ce site spécifiquement. Je peux? J'ai l'impression qu'il veut pas. Hein. Je sais pas pourquoi il veut pas aller. En même temps, si je sais, je l'ai fermé de ouf mon Firefox. Pourquoi il veut. Bon. Personnaliser. Gérer les exceptions. Ouais, hop. Enregistrer. Non. Faut que je rajoute. Je peux rajouter un site, s'il vous plaît, merci. Non, même pas. Interdit de rajouter des sites. Son 13 bis. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Je veux pas être testé ailleurs. Je l'ai trop bloqué. Je peux pas le faire aussi rapidement que je le voudrais en fait. Module. Peut-être que c'est dans les modules, mais ça m'étonnerait. Non, c'est pas ça. C'est pas les modules qui bloquent. De toute façon, c'est mes options de personnalisation. Et que j'ai tout bloqué. Ou que Firefox est déjà plutôt sur l'histoire de bloquer Flash que Chrome, c'est possible aussi. Ok, bah du coup, it's not possible pour moi. It's not possible. Bon, je continue à lire, on verra ensuite. Hein. Je vois qu'une capitale de la France et je ne parle pas de Paris. Cette année, mais ne demande pas l'aide de Google, demande-t-elle tout de même une certaine culture maintenant? Bon, je vais essayer de mettre une capitale de France. De toutes les façons que j'ai pu penser, je n'ai pas plus l'idée, il me manque un mot, je suis peut-être dans les champs. Personnellement, après avoir trouvé la réponse à Célimus en trop de casse, j'ai entré la réponse dans l'URL comme d'habitude.
juste pour vous dire que j'étais bloqué à cause d'Internet Explorer pour cette énigme. Ok. Pour répondre à ces questions, il suffit d'avoir savoir qu'il y a 9 lettres dans l'alphabet. Oui, c'est ça, c'est juste le F. Et du coup, ça marche pas pour moi. Et ils disent, oui, bien sûr, ça marche sur Google Chrome. Mais qu'est-ce qui se passe? Je veux juste, s'il vous plaît, que ce soit simple, là, cette fois-ci. Comment c'est possible que juste que de rajouter un F majuscule, ça ne veut pas marcher, du coup? Ça, c'est considéré comme pas bon. Donc du coup, si je change, parce que pour moi c'est un peu logique, c'est pas dans l'URL spécifiquement, ça peut être aussi dans le code. Donc si c'est dans le code, normalement si je rajoute juste le F, ça on l'a déjà fait tout à l'heure. Excuse-moi, oui tu peux fonctionner, merci. Dans le F de du SWF, eh bien il n'y a rien. Et si je fais le F de paramètres, pareil. Et là, j'ai modifié pour qu'il y ait F majuscule uniquement. Donc j'ai du mal à saisir à quel moment il y a un problème. Et de toute façon, ils ne trouvent pas la France SFR. SWF plutôt, SFR. L majuscule, je rajoute le L, hein, mais on l'a déjà fait aussi. Il n'y a toujours rien. Donc voilà, là il y a deux erreurs maintenant, parce que j'ai mis deux erreurs. On relance. Mais pour moi c'est l'abréviation, parce que l'un envers l'autre, quoi. Pas comment expliquer, c'est plus, c'est, elle est raccourcie la France, elle est écrasée, donc c'est l'abréviation forcément. Mais je ne sais pour l'instant pourquoi je ne peux pas le modifier. Et si c'est juste ici, genre en texte, pardon, excusez-moi, j'ai cliqué sur n'importe quoi en même temps. Je veux juste ici et que je modifie juste par exemple ici, ça va avancer à quoi dans l'indice au final? Parce que pas grand chose, hein, c'est où? C'est où la phrase? C'est où la phrase? C'est ça? Non. Ça? Non. Bon, prends la phrase, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe, là? Voilà, merci. Et que je mets là, dans mon texte, ce qui a aucun sens, hein. Mais si je le mets dans le texte, ici, voilà, je l'ai modifié, qu'est-ce qui se passe? Rien, bien entendu. Je vais le mettre là-haut pour voir si un indice a spécifiquement F majuscule. Donc là, France, voilà. Je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre. À part si faut transformer le .com en .fr. Ouais, bien sûr. Qui pourrait être bloqué techniquement. Contrairement à ce qui a été dit un peu plus haut, on peut aussi se retrouver bloqué avec Google Chrome. Merci. Malgré la bonne réponse, j'étais constamment redirigé sur Technique 45 après lecture de ce sujet. En désespoir de cause, j'ai tenté sur Safari où tout s'est bien passé. En fouillant un peu sur des forums techniques, il est possible que le problème ne vienne pas de Chrome seul, mais bien de son interaction avec d'autres applications, extensions, notamment Office. Potentiellement difficile donc de se ramener à une config vierge pour éviter le souci. C'est exactement ce que j'ai, je crois. J'ai cependant trouvé un contournement sur Chrome en ouvrant une fenêtre en mode navigation. Ah bah tiens, je vais essayer. Et en y collant la réponse directe. Je vais essayer. C'est vrai qu'en navigation privée, ça peut aider. J'essaye. J'autorise Flash, 2 minutes. Parce qu'il faut que je réautorise. Je corrige. Je pense pas que ce soit la bonne réponse du coup, hein. Finalement. Mais je sais pas où la mettre du coup. Ah, on est bloqué ou pas? Je vais regarder vite fait le. Bon, on va regarder vite fait la réponse. Hein, parce que là,
Ça se trouve, je suis en train d'essayer de forcer quelque chose qui n'est tout simplement pas facile ou possible de faire actuellement. On est 45, mais c'est pas possible, j'avance que grâce à la soluce là aujourd'hui. C'est tout le mot. Et attends. Et ça marche. Oh ouais, ça marche. Purée, ça marche. Tout le mot. Oh mon dieu. Je peux passer à 40. Oui, c'est bon, 46, c'est bon. Ouais. Ok. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Vous n'êtes pas aidé. Non, clairement pas. En refaisant toutes les énigmes, vous comprendrez. En refaisant toutes les énigmes, vous comprendrez. Et est-ce que j'ai envie de refaire toutes les énigmes où il y a marqué particule quelque part? Toutes les énigmes de quoi? En plus, de ouverture facile, j'ai que ça à faire. Est-ce que je peux tourner? Parce que j'aimerais bien juste tourner le truc, j'ai pas envie d'avoir la tête à l'envers pour finir. Est-ce que je peux tourner ça? Je peux pas tourner, mince. Alors on va mettre à l'envers, France à l'envers, on va voir ce que ça donne. Alors, E, C, N, A, R, F, France, A, L. Donc déjà, c'est pas ça. Ça marche quoi, choqué que ça marche le fait de mettre tout en majuscule et que les deux suffisaient pas. En refaisant, bon, moi je sais pas. Hein. Ok, y a pas la peine de rajouter un autre indice foireux. En refaisant toutes les énigmes, vous comprendrez. Mais est-ce que j'ai besoin de refaire les 45 énigmes, là? Est-ce que je suis obligé de le faire? Bon, je vais mettre la tête à l'envers, excusez-moi. Ah, quoique, attendez. Je peux le faire direct en live, indirect. Je vais le montrer en live, indirect. C'est vrai qu'on a moyen de tourner, transformer, flip, rotation horaire, 180 degrés. Alors, je regarde en même temps que vous. Hein. Si je trouve quelque chose. Ce qui, à mon avis, n'est pas le cas. Il y a des trous. Hein. Il y a des trous. Je regarde s'il y a une phrase qui apparaît par magie. J'ai pas l'impression. Dur là, pour l'instant je... Leub on le voit souvent, L-E-U-B. De toute façon c'est pas anodin que ce soit à l'envers non plus. Et il doit y avoir un truc. Il y a la lettre N aussi qui est un peu explosée là au milieu. Celle-ci. Là il y a une sorte de petit point ici. On va dézoomer, on va voir ce que ça donne. Vas-y, mais dézoome, pourquoi tu veux pas dézoomer? Qu'est-ce qui se passe là? En dézoomant, on a ça, mais... compliqué, hein? Et si on zoome, est-ce qu'on se retrouve avec quelque chose d'intéressant? Parce que je peux zoomer aussi à l'intérieur, hein. C'est ça qui est bien. Regardons toutes les lettres. Je clique n'importe où, je crois. Je crois qu'on est allé au maximum là. Je vais dézoomer du coup.
je pense qu'il y a des trucs qui doivent se lire à l'envers. Pour l'instant, je regarde dans le retour hein, pour être sûr. Je regarde dans le retour pour être sûr que c'est rien, qu'il n'y a rien qui est dans le bon sens en fait. Entre guillemets. Le B là aussi, il y a un truc bizarre. Hein. Le N et le B. C'est marrant parce que c'est pas toutes les lettres, mais c'est possible que ce soit juste la photo de. Le scan de, du papier quoi. Sinon, faut peut-être loucher aussi sur. Pour voir le fond, parce qu'il y a des froissements de papier et tout ça. Ça fait un peu une forme bizarre, mais je suis pas sûr que. Par exemple là, en regardant attentivement, on voit que ici c'est très 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 lumineux. Mais je suis pas sûr que ce soit ça. Et sinon il y a cette diagonale là. Je le fais à l'envers, c'est très compliqué en regardant le retour. Mais voilà, il y a un truc comme ça là. Mais est-ce que ce serait pas juste le truc avec les X quoi? Parce que là, par exemple, est-ce que le X, là, il y en a un ici. Donc ce serait le début. Et le X qui est la fin, c'est là. Donc du coup, ce serait encore particule. Il faudrait que je regarde. Donc du coup, est-ce qu'on... Oui, on retrouve particule. En fait, c'est exactement la même chose. Donc du coup, je vais essayer particule en haut. Non. Et c'est pareil là, on n'a toujours pas de réponse d'endroit où répondre. En fait, je veux bien, je suis sympa et tout, je veux bien, mais pourquoi on n'a pas d'endroit pour répondre? C'est compliqué. Je vais écrire particule en grand, ok? En majuscule, parce qu'il faut peut-être rester en majuscule. Je crois qu'il y avait bien un S, je sais plus. Non, je sais plus. Je vais laisser avec le S, je crois qu'il y avait un S. C'était particule, la réponse est particule, c'était. Et peut-être que là... Vu que c'est la tête à l'envers, donc je vais vous remettre à l'endroit, excusez-moi, 2 minutes. Voilà. Vu qu'on a la tête à l'envers, on va écrire particule à l'envers. Donc, je sais pas s'il faut mettre des majuscules, on va mettre des majuscules. Au cas où. Bon, sans majuscules. Ah, faut savoir. Non, c'est LUC. Voilà. I. T. R. A. P. Donc c'est peut-être pas avec le S. Alors là c'est encore la tête à l'envers. Donc du coup la particule c'était particule point quoi. HTM. C'est possible que c'était HTM. Je vais vérifier. Donc là, je regarde ici. Hein. Je vais préciser, je vais vous montrer là. Particule. Voilà. Et là, normalement, c'est la fin avec le X. Parce que c'est de X à X la ref à l'autre énigme. Le truc, c'est que c'est à l'envers. Donc logiquement, il faut juste se rappeler de particules. En refaisant toutes les énigmes, vous comprendrez. J'ai refait toutes les énigmes, c'est bon, je les refais 15 millions de fois, mais ça n'explique rien. À part le fait que particules, et là on n'est pas aidé, du coup c'est le puzzle, mais du coup particules à l'envers, pour moi, ou particules à l'endroit. Parce que là, j'ai pas besoin de le refaire, je l'ai fait tout à l'heure. En fait, j'espère qu'il faut pas que je le fasse. Parce que voilà. Si c'est pour trouver un mot dans le fond du puzzle, je fatigue. Hein. Particule. Ce n'est pas ça. Donc je vais l'essayer sans. Parce qu'il y a le S, hein, normalement, je crois que ça se finit bien avec un S, oui. Du coup, c'est. Normalement S, E. Je vérifiais. L. U. C. I, T,
R-A-P. Voilà, je vais vérifier avec le HTM si c'est possible. Waouh. Bon, on va sans doute faire une pause à 2 heures, hein, parce que ça fatigue déjà. Et c'est surtout qu'il n'y a pas d'endroit de réponse, quoi. Parce que dans Particule, il y avait un endroit de réponse, il y avait une sorte d'endroit où il fallait écrire. Et là, il n'y a pas. Et là, et le truc, c'est que de X à X, alors je vais remettre à l'envers, de X à X, c'était... donc on part d'ici, hein, je précise. On part de là, ce X-là. Donc, je vais essayer de le faire à l'envers. Là, on remonte, espace, réponse, espace, A. Non, c'est plus A, 7, voilà, espace, et énigme. Alors le E c'est alors, oui, de ce côté-là. Et espace le on remonte mot espace particule espace X. Et je l'ai fait tout ça en inversé sur le retour. Donc c'est compliqué déjà pour moi. Mais si on le fait dans l'autre sens, ça devrait être dire. Ça voudrait dire juste que. Tac. Non, c'est dans quel sens? Voilà, là. I. T. Voilà. Hop. Espace. Mot. Le est énigme. Ça fait pas un 7, ça fait pas un mot ou quoi que ce soit. La réponse A, 7, A. Et réponse. Réponse là. Ça fait pas quelque chose de particulier en fait. Eh bien j'ai du mal. Là les deux dernières c'était compliqué. En plus là c'est compliqué d'y penser autrement que ce que je connais déjà. Si l'indice est à la fois inutile et indispensable, super. Refaisons toutes les énigmes, vous comprendrez. Oui, bah. Il y a beaucoup d'apparences trompeuses dans cette énigme. Oui, bah oui. C'est à l'envers, donc ça fait appel à normal HTML. Et en plus, ça fait appel à l'autre où c'était particule. Normal HTML, fallait l'écrire en haut. Donc je l'ai testé, particule.html, ça marche pas. Et particule, fallait l'écrire à un endroit spécifique.
l'imprimante qui peut aider, non, pas du tout. Je suis un peu bloqué depuis un moment sur celle-là, et vu qu'il y a un sacré coup de ménage sur ce poste, je me permets de poser une petite question. Y a-t-il un lien entre le niveau 16? Je ne crois pas tout ce qu'on te dit. On va chercher dans le code source, hein. Chercher dans le code source parce que c'est possible qu'il y ait un truc. Je crois que j'ai déjà fait ça. Alors, aide. Aide.swr. Ça s'appelle aide. Pourquoi aide? Pourquoi aide? Pourquoi aide? Pourquoi il y en a plusieurs les aides? Ça s'appelle aide. Je l'ai jamais vu, par contre ça je crois dans aucune des autres de mémoire. Midi à 14h pour faire cette énigme, il suffit d'être logique, ouais. Pour l'instant, j'ai rien compris, faut-il faire du traitement d'image? Non. Une chance d'être utile sur cette énigme. Juste histoire. Ouais. Si je commande download, c'est que j'ai essayé de moult possibilités en ayant seulement des erreurs 404, donc je m'allais essayer. Ah non, ça veut dire que c'est la... Alors attendez. Petit test particule encore une fois, parce que ça peut être... voilà. Non, du coup c'est pas ça. Bon, j'essaye particule à l'envers. S, E, L, U, C, I, T, R, A. A, B. C'est plutôt possible que l'erreur 404 soit... On continue en majuscule. On va essayer de voir si c'est la majuscule qui change quelque chose. E. L. U. I. C'est sans doute que je l'écris mal aussi à l'envers. Hein. A. P. Non. C'est pas la majuscule non plus. Compliqué. Compliqué. J'arrive pas à situer bien. Si certains ont eu comme moi l'idée tordue et stupide de et de des pour des avec là, je préviens d'avance qu'ils font fausse route. Bien sûr. Merci. L'erreur est à la source. Donc je suis allé voir la source, j'ai corrigé justement aide, ce qui était avec un S. Je vous montre rapidement la source, comme ça vous allez comprendre. Donc, quand on est dans le truc, on voit aide avec un S. Sauf que c'est pas ça. Normalement, c'est la France majuscule. Donc, on va essayer la France. Et on va corriger ici aussi. Normalement, c'est la France aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose? Je vous montre. Non. L'erreur est à la source, c'est aide. Pour moi.
Et le head, c'est étrange. C'est très étrange qu'il soit là. Peut-être que... faut que j'écrive particule. Parce que l'indice, en fait, il parle justement de... vous n'êtes pas aidé dans le titre. Mais ça change rien non plus, regardez. Là j'ai juste changé particule, ça change rien. Donc, est-ce que je mets l'accent à aider? Pour voir. Pour l'instant ça change rien non plus. Je vous montre. Y'a rien. Donc là... si je corrige avec... j'enlève le S, juste. Y'a pas... donc, head, c'était avec un S. Pour qu'on retrouve... head. Et qu'on retrouve exactement ce qu'on avait besoin. C'était un puzzle, donc peut-être que c'est puzzle, hein. Comme d'habitude, l'erreur est à la source, oui, ben ça c'est sans doute. Je regarde le reste, du coup. Regardons le reste. Alors, carreau, c'est bon. Tête, vous n'êtes pas aidé. Le script, il changera pas, de toute façon, ça c'est pas un problème. Head de SWF, oui, ça c'est bon. La taille est bonne. Ça fait appel à du flash. Et il y a le mot head. Peut-être que... parce que c'est écrit partout que c'est help. Est-ce que c'est help? Je ne pense pas non plus. Donc ça change pas. Compliqué. Peut-être qu'il faut que j'écrive aide à l'envers. On va essayer. C'est peut-être ici dans le code qu'il faut changer. Donc ça fait S E D I A. Et je change ici aussi, mais bon, ouais, en fait ça change, c'est pas la peine, hein, mais D I A. Non, j'ai mis un D en intro. Je vous montre. D'ailleurs, j'ai fait une faute. J'ai mis le E là, alors que le E il est là. Je vous montre. Là, ça marche pas non plus. Et ben, je sais pas. Là, j'avoue, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. On continue, on regarde la suite. Avec Fritz, oui. Et avec ça, j'ai trouvé quelque chose en rapport avec le titre. Néanmoins, après avoir essayé plusieurs combinaisons pour réparer l'erreur, ça n'a rien donné. Je suis juste sur la bonne voie. Ah, oui. Donc c'est dans le code. J'ai vu le de... le V de l'indice. Mais après, ce que je ne vois pas, c'est qu'il faut faire pour vous m'aider. Bon, pas de zoom. On continue. Alors, j'ai trouvé l'indice caché, mais ce qu'il nous dit ne m'évoque pas grand-chose. Pourrais-je avoir une précision? Qu'est-ce que la source? La source, c'est le code. Est-ce que l'énigme contient une autre énigme? Ce que je veux dire, c'est si l'indice caché doit être pris au propre ou au figuré. On parle bien de la 46. Des fois, j'ai un peu peur en lisant ce serveur poche. Je n'ai pas vraiment vu de nombre ou de chiffres dans cette énigme. Oui, la deuxième déjà, faut l'écrire à l'envers. Donc j'ai essayé à l'envers, un peu partout. Particule, je l'ai essayé aussi à l'envers, un peu partout. Donc en repartant depuis le début, c'est écrit à l'envers. Donc particule, c'est bon.
ça change pas grand chose. La majuscule peut-être. Quand on y pense, finalement, l'indice coule de source. Oui, bah c'est le code, ouais. L'indice, on rappelle, en refaisant toutes les énigmes, vous comprendrez. Hein. Mais là, je bug, j'ai trouvé comment être aidé. J'ai farfouillé l'URL de bonne façon. J'ai tripatouillé l'image en la retournant, en inversant les couleurs, en me servant de l'énigme 16. J'ai refait les premiers niveaux, essayé de voir ce qui pouvait couler de source. Mais là, vraiment, je vois pas. Alors, en fait, je ne pense pas que tu aies trouvé comment être aidé. Il faut regarder de plus près de l'indice qui t'est donné. Alors, du coup, peut-être que... Il faut. Ah ! Normalement, c'est pas faux hein, dans l'indice, justement. Normalement, c'est I, la France, comme indice. Donc, on va essayer de voir... Si c'est à cause de l'indice. Alors on va checker le code de l'indice. Bam. Alors le code de l'indice, il est... tac, 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 tac. Normalement, c'est dans la tête. Indice. Il y a plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs, plein de trucs. Il y a la pub aussi. Link rail. Voilà. Ouverture facile. Ça, c'est les méta. Donc ça marche pas. C'est pas ça. Il nous faut l'URL pour avoir accès à l'URL. Tac tac tac. Normalement ça devrait pas être. Normalement c'est i vrai. Par exemple, si je mets vrai. Je vais juste mettre vrai, on va voir ce que ça donne. Désolé hein, pour le code couleur, c'est encore parce que je suis en. Ah, au fait, vous avez appris de vos erreurs, il me semble. Il faut aussi. Voir la source de ces erreurs, vous pouvez visiter le forum pour plus d'indices. Je clique. En fait, vous avez appris de vos erreurs, il me semble. Donc ça peut être intéressant. Hop. On revient dans le code, parce que ça doit être ici, du coup. Aide. Erreur 404. Énigme suivante, voilà. C'est ça. Énigme suivante. Vous le voyez ou pas? Ah non, vous voyez pas exactement la même chose que moi. Alors attendez. Je change vite fait. Voilà. Et en fait, il y a dans le corps de celle-ci, parce que c'était I faux en haut, indice faux. Du coup, j'ai changé, ça a fait indice vrai qui m'amène sur ça. Cette page n'existe pas, mais vous avez appris toutes vos erreurs. Donc ça, c'était une référence à une autre. Un autre truc, et là dans il y a un commentaire avec le nom de la suite. Je pense que c'est ça. On va voir. On revient en arrière. J'ai copié. Je prends, je colle. Et voilà, 47. On y arrive. Là, il y a un. Je peux cliquer. Ah, il a l'air d'avoir du son, non? Non. Alors là, j'ai tout affiché pourtant. Il n'y a pas de son. Je peux cliquer par contre. J'ai l'impression que je peux me déplacer dans un truc. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose au milieu. Il y a quelque chose au milieu. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je peux pas le voir en déplaçant l'indice. Donc, on est au niveau 47 déjà, c'est bien. On va regarder l'indice maintenant. Pas besoin d'une pelle. Une énigme à creuser. Faut cliquer plusieurs fois. Tout simplement. Vous entendez cet ASMR de clic? Ça n'a pas l'air d'être ça. On zoome. On zoome. On zoome. On zoome. J'ai fait un zoom arrière. Je zoome. Je zoome. Je zoome. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Vous voyez quelque chose? Non. Ok. Donc là, on a zoomé. Ça n'a pas marché. Pas besoin de pelle. Y creuser, c'est une énigme à creuser. Énigme suivante. Ok. On va checker le code again. On va juste regarder quel est le nom du SWF.
creuser. Je vous montre. Ah merde, pardon, excusez-moi, j'ai fait un gros mot en plus. Voilà. Donc là, on est là. Alors, dans Ed, qu'est-ce qu'ils disent ? Une énigme à creuser, oui. Énigme est bien écrite, à creuser, c'est bon. Text used in movie, ok. Creuser.swf. Creuser.swf. Donc il y a quelque chose, mais on ne le voit pas. Je sais pas si on le voit mieux de votre côté. Non, j'ai pas l'impression. Compliqué, compliqué, compliquado. Donc il y a quelque chose qu'on peut cliquer, mais je vais juste mettre une pause sur ma loupe parce que c'est peut-être du son. Alors, on va essayer de voir les délimitations. Avec le clic. On dirait quoi? C'est assez gros quand même, en final. Ça joue avec le avec la souris, là. Bah, énigme suivante, est-ce qu'on peut juste... l'indice, c'était quoi déjà? Pas besoin d'une pelle. Bah, je vais juste taper niveau 48, on va voir. Niveau 48. Je suis toujours dans le code, attendez. Je vais enlever ça, voilà. Compliqué. Je remets le son. On se remet dans l'ambiance. Pas besoin d'une pelle. On va regarder le code de ça aussi, hein, parce que ça a l'air d'être aussi de ce côté-là, de temps en temps. Alors. Donc ça c'est l'énigme de creuser, donc ça c'est bon. C'est indice creuser. I creuser. Donc. Compliqué. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Dans aide non plus. Oh, du moins j'ai pas l'impression. Bon, j'enlève. On verra ça tout à l'heure. Donc y creuser, c'est pas ça. Et là on a une page vierge. Moi je pense qu'il faut zoomer, mais j'ai augmenté ma saturation aussi, donc ça a pas l'air d'être ça non plus. On va sans doute faire une pause s'il faut que j'aille aux toilettes d'ici peu, donc voilà, je préviens à l'avance. En plus, là, ça va faire quoi, 2 heures, d'ici peu. Donc, on va essayer de faire en sorte que je check un peu tout et qu'on essaye de voir ensuite. Je vais baisser la qualité, augmenter la qualité. En boucle, rembobiner. Voilà, j'ai rembobiné. On commence comme ça. Et il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, je l'ai déplacé vraiment. Là, j'ai vraiment déplacé le truc qui est censé être là. Je l'ai déplacé en haut à gauche. Ah, il est toujours là. Là. Là, je le fais, je l'ai mis en bas.
assez gros quand même. Alors hop, on le déplace. Je pense que le déplacement ça va nous servir. Je pense que c'est dans les confins de quelque chose. Et là on l'a perdu. Elle est revenue au début. On dirait qu'il est revenu au début. Donc si je le mets de ce côté là, c'est. Il n'y a rien. Et là c'est revenu au début aussi. Oui. Je vais de ce côté là. Il a l'air d'être revenu aussi. On va voir. Mais là il n'y a rien. Là il y a quelque chose. Et là il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Je vois pas la différence en fait. Il doit y avoir écrit un truc fou, mais j'arrive pas à le voir. Et du coup, l'indice, c'est de creuser. Donc, on va aller vers le bas, puisque creuser, ce serait devrait être vers le bas, non? Ah, ça y est. Fichier.zip. Alors on va continuer. C'était énorme hein, comme truc. Alors fichier.zip. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors je vais pas vous montrer ce côté-là, mais grosso modo je vais vous dire ce que je trouve. Dans fichier.zip, il y a un dossier zip, .jpg. Je l'ouvre. C'était peut-être une image avec la réponse. Faut patienter un peu. Et là, on va enfin corriger notre décalage avec le 38, là, après le 47. Ah, j'ai pas l'impression, hein. Je vais devoir l'extraire. Ok. Je regarde le zip. Je regarde la taille. C'est considéré comme une photo, pour l'instant, ça s'affiche pas. Il y a 16. Il y a une différence de taille, 15 carrés. On regarde les métadonnées pour voir vite fait. Pour l'instant rien. Zip.jpg, je vais regarder si je peux l'ouvrir. J'essaye de. Voilà, je le laisse s'ouvrir, d'ailleurs le sourire. Hein. J'ai l'impression. J'attends un peu. Ça s'ouvre. Une minute. C'est quand même un truc un peu fat. Hein. Ça a l'air d'être fat. Ça s'est fermé. Tout seul. Pourquoi? Je vais l'ouvrir du coup avec Photoshop. Je vais juste regarder si on peut le voir d'ici sur la page zip.jpg. Je suis désolé, là je suis en train d'ouvrir Photoshop, c'est pour ça que ça rame un peu. Donc on va continuer à le chercher pour juste le découvrir, voilà. Vérifie qu'il n'y a rien d'autre.
compliqué. Alors là, il y a Photoshop normalement qui va se lancer d'ici peu. Faut patienter juste quelques secondes. Donc là, on a creusé déjà, c'est pas mal. On a réussi à creuser, c'est la première étape. Il y a Photoshop qui va s'ouvrir. On va peut-être essayer de voir ce qu'il y a dans le fichier. C'est possible que l'extraction il soit corrompu. Parce que là, il n'y a pas d'affichage d'aperçu pour l'instant. Et quand je l'ouvre, il y a une erreur. Donc on va voir. Photoshop vient de se lancer, ça risque de ralentir un petit peu, 2 minutes. Il faut être patienté un peu et après ça devrait être bon. Je vais essayer d'ouvrir un peu, mais je suis presque sûr qu'on va pas réussir à l'ouvrir avec Photoshop, je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'il est corrompu, il y a un truc qui se passe au zip, qui a pas l'air de vraiment fonctionner, donc on verra. On verra si ça fonctionne. Je vais checker d'ailleurs justement le zip, vite fait. Parce que c'est possible que ce soit la sortie du fichier qui est un problème. Il faudrait pas que je le fasse en même temps, Marc. Alors attends. Hop. Si, c'est ça, il y a 16KO. C'est un gros truc. Il y a Photoshop qui se lance là tranquillement. Ah. Ah. Et il me dit qu'il y a que 500. Il y a quand même beaucoup dans le zip. Hein. Ah, il y a beaucoup dans le zip. Il y a 580 MO là, il dit. Je comprends pas. Juste vite fait, on va regarder le téléchargement. Ils disent qu'il y avait combien de MO là. Non, 15KO, c'est bon. Ça y est, c'est mis à 0. Ok, ok, détail. Ouais. Version, détail. Ça a l'air d'être... bien, j'ai l'impression. Bon allez, Photoshop là, vite s'il te plaît. Est-ce que c'est possible que ce soit juste parce que je ne vois pas les propriétés lecture seule? Et s'applique uniquement au fichier du dossier. Oui, il faut que je... Peut-être que c'est... il y a un petit fichier en plus, qui est un fichier caché. Mais je crois que je l'ai déjà, moi. Bon, on va regarder. Alors, juste, je vais vérifier... parce qu'il a, il fait des caprices là sur Photoshop. On va patienter 3 minutes. Il a dit qu'il pouvait pas l'ouvrir. Déjà. Donc on va checker vite fait. Purée. J'aimerais bien montrer que tu galères. Hein. Là j'ai demandé new en plus. Ah, merci. New document. Excusez-moi, j'ai triple cliqué sur Photoshop, du coup il est un peu en train de dire c'est la misère. Salut Nibbler. Je sais pas si tu me... Ça fait un moment que tu me dis salut, je pense. J'avais pas vu. Oui, bah en fait non. Pas open. Juste 2 minutes. Salut Nibbler. Voilà. Qu'on discute un petit peu. On est niveau 47, ça n'a pas beaucoup avancé. Et le niveau 47 m'a donné un fichier qui est un peu complexe. Oui, bah ouvre. Ouvre le cré. J-
je force Photoshop un peu à bouger ses fesses là. Alors le fichier il était caché sous un grand flash tout blanc. Et on a trouvé en dessous fichier.zip qui est de la même taille que l'image qu'il a. La seule différence c'est que 3 minutes de temps. Ouais, alors du coup je essaye de remettre le stream à. Je sais pas si tu relances le stream, est-ce que tu te retrouves avec le bon temps, mais je sais que c'est mes images perdues hein, de toute façon. Les 3 minutes. Et ouais. Et je peux pas faire grand chose du coup. Again. Parce que je n'ai pas une bonne connexion. Et que c'est pour ça que ça s'appelle toujours le cheap stream. Et je suppose que tu regardes ça par rapport à l'heure. C'est normal. Bon. Ah bah il a ouvert 15 millions de fois, bah c'est bien. J'ai cliqué 15 fois, donc il a ouvert 15 fois le même fichier, c'est bien. Merci Photoshop, je suis très content de toi. Alors 2 minutes. Faut que je lui dise que il a fait du caca. Faut que je ferme tout quoi. Hop, 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 hop. Ok. On va mettre un fond. Je vais mettre un fond noir parce que j'ai cru voir que l'image était en blanche. On va voir est-ce que ça fonctionne comme ça. Je vous montre. Alors je vais faire plus simplement, je vais faire comme ça. Et comme je disais tout à l'heure, il faut que j'aille aux toilettes d'ici peu. Donc on va essayer ça et après, si ça fonctionne pas, je passe aux toilettes très rapidement. Bah ouais, je suis content. Je suis content de ce que tu fais, petite capture d'écran qui ne veut pas capturer l'écran. Voilà, merci. Alors non. Non. Oui. Je vous montre. Donc ça, c'est le Photoshop que j'ai ouvert. Je vais le baisser même parce qu'il y en a un peu grand. Voilà. Hop, hop, je vais ouvrir. Je vais même importer. Allez, 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 pourquoi ça rame là? Je vais chercher mon fichier zip. .jpg. Mais je pense que ça marchera pas. Ouais, voilà, ça marche pas. Donc en fait je pense qu'il faut le remettre en zip, mais je suis pas sûr. On va vérifier ça. Donc comme je disais, je vais juste faire une petite pause 3 secondes. Je vais mettre en pause le speedrun, là, le live split. À partir de quand j'aurai fermé le. Impossible à trouver, ouais bah ouais. Pour l'instant en tout cas oui. Je vais mettre en pause, faut juste que j'aille aux toilettes, j'arrive, de toute façon s'il y a 3 minutes, normalement au bout de 3 minutes je serai revenu. Voilà, s'il y a 3 minutes de décalage, c'est normal. J'arrive. A tout de suite.
Ok, bonjour. Il y a encore le petit décalage, je sais. Alors, 2 minutes.